Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez compris, c'est une nouvelle vidéo. Ah oui, vous l'avez remarqué, en effet, c'est plus lumineux puisque j'ai ouvert mon store. Grande nouvelle. Bon, en même temps, vous me ferez remarquer, qu'est-ce que vous voyez de plus, hein, à part le fait que ce soit un peu plus lumineux. Vous avez toujours la lampe? Je l'ai pas branchée. Tu vas rester tranquille, toi? Donc bref, je sais pas vous, mais moi, dans la vie, il y a des trucs qui m'énervent. Bon, qui me saoulent, quoi. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Attends, rappelle-moi pourquoi j'ai décidé de commencer YouTube déjà. Ça m'énerve quand je passe à côté de mon lit et que je me cogne le pied. Du coup, à ce moment-là, j'ai envie d'insulter le lit. Mais bon, on est d'accord qu'il va pas me répondre, vu que c'est un lit. Ça m'énerve quand je suis concentré sur quelque chose, je me sers un verre d'eau et je mets tout à côté. Ça m'énerve quand j'ai une super blague à dire à mes potes, ils vont être morts de rire quand ils vont l'entendre. Je l'ai dit, mais personne n'a écouté. Elle me qu'est-ce qu'il y a un guidon en hiver? Bon, par contre, quand tu dis une blague de merde, comme par hasard, tout le monde s'arrête de parler. Et là, c'est le blanc assuré. Ça m'énerve quand je cherche pendant des heures un stylo, je le trouve pas, du coup je m'énerve, je le trouve toujours pas, je m'énerve encore plus, et 20 minutes après, je me rends compte qu'il était juste sous mon nez. Ça m'énerve quand je vois qu'il fait beau, je sors en t-shirt, et 5 minutes après, il pleut. Ça m'énerve quand j'écris avec un stylo plume, j'ai plus d'encre, du coup je prends une cartouche de ma trousse, hein, et comme par hasard, il y en a plus. Du coup, t'es obligé d'écrire avec ce 4 couleurs que 80% de tes potes ont. Ça m'énerve quand je dois me connecter sur un site, du coup j'ai ma mot de passe, mais il marche pas. Et du coup, tu es obligé d'adopter la technique du « je teste tous les mots de passe que j'ai utilisés depuis que j'ai mon ordi ». Ça, moi, évidemment, aucun marche. C'est dommage d'ailleurs, et c'est très chiant aussi. Ça m'énerve quand un pote me pose une question en texto, je réponds à sa question, mais j'en pose une à mon tour, et bien évidemment, il ne répond pas. Ça m'énerve quand je fais une recherche Google pour un exposé, j'ai presque fini, mais il n'y a plus de réseau. Merci, Free. Ça m'énerve quand je prends la photo d'un animal que je trouve joli dans la rue, je vais prendre une photo quand soudain, on fait bouger. Et tu connais le fameux dialecte de la photo floue, hein. Ça m'énerve quand je mets des heures en café, du coup, comme ça marche pas, bah, je force, hein, plus, hein. Mais comment dire que, comme j'y arrive pas, le résultat à la fin est plutôt décevant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais préciser que, en effet, cette vidéo est beaucoup plus courte que les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Mais rassurez-vous, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer techniquement ce qui s'est passé durant ces 2 mois. Ah oui, et aussi j'ai un objectif pour vous. J'aimerais qu'on fasse l'objectif des 100 abonnés. C'est-à-dire que si on arrive à plus de 100 abonnés, ce serait pas mal quand même. En septembre 2016, on doit avoir dépassé les 100 abonnés. Voilà, c'est un objectif plutôt pas mal. Si jamais ça ne marche toujours pas, on rallonge ça jusqu'à décembre. Ah ouais, voilà, je me lance beaucoup d'objectifs.